comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas. Mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis de taille à affronter ce qui nous attend. Crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Maintenant que j'y pense, je me dis que tes failles pourraient bien nous servir en cas de problème. Oui, je vais bien trouver une faille à utiliser dans le coin. Je peux pas non plus les faire apparaître. C'est ça ? Slate ? Figure-toi que je le connais. Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis. Codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi. Des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. Hmm.
contre le sauvage ou l'étranger. Oh. Il ira affronter. On ne peut plus utiliser la nacelle pour rejoindre l'antre des héros. C'est sûrement fermé à cause de ce qui se passe avec Slate. On doit pouvoir prendre l'aéro. Ça va être parfaitement fantastique. Tu crois que ton œil de lynx pourrait nous permettre de trouver des munitions? Ça me serait bien utile en cas de problème. Ça demande un peu d'effort, mais je ferai de mon mieux. Dégagé. C'est vous qui avez versé votre sang pour Columbia, perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie. Comstock n'a rien fait, lui. Et pourtant, regardez, quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui. À chaque coin de rue, comme une gifle. Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir? Nous devons prendre position et remplir son antre de la honte de véritables héros! Ok, attrapé! Génial. Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Ah, mon Dieu. Slate! Slate, c'est toi? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que...
que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Il n'a encore rien prouvé. Booker, attrapez. Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électro-quartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Je me sens déjà mieux. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Mais qu'est-ce que c'est? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini? À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vaut mieux pas que tu le saches. Sur votre visage. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais comme ça, lui... Il faut encore un peu de temps pour trouver... Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter?
Ça m'aide beaucoup. Vous vous croyez assez fort? Tu vois, jeune fille? Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat! Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les boxeurs. Qui sont les boxeurs? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. Je connais, c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là! Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? C'est le moment! Du plus profond de... J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, Monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment? Et si tu te réveillais un beau jour, et que tu réalisais que tu t'es trompé? La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Voilà ma tour. Écoutez! Fitzroy a assassiné ma bien-aimée, mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas
La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, mais non. Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est fermé. Elisabeth! Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Là. Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Compris. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Tiens, celle-là! C'est une tourelle, vite! Oh! 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 Ça m'aide beaucoup. Slate, on a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Je crois que nous sommes plus riches, Booker. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. Notre héros, les filles, prophétie éternelle. Les héros,
tas de plans, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Booker! Le Seigneur Jésus. Changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher! Super. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Ça ne prendra qu'une minute. Voilà. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Chouette. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Est-ce que... Oh! Slate, il est là. La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slate qui s'est battu à... Booker, attrapez. Slate. Slate. Comstock arrive, Booker. Mais il faut se relever. On est son victime. C'est de nous transporter le plomb. Je le mange. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. On n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà, les enfants, une vraie mort de soldats. Empêchez-le de bouger. De mes souvenirs, soldat de plan, soldat de plan. Booker, tenez. Super. Et voilà.
C'est tout ce que tu sais faire, soldat? Fais un effort, DeWitt! Ne déçois pas mes hommes! L'anarchie est une autre chose qu'un coup de couteau dans la tour de notre prophète. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Voilà pour vous! Chouette! Allons, DeWitt! Montre-moi de quoi tu es fait! Et moi sommes condamnés à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive, il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Wounded Knee, pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. Rejoindre Slate avant qu'il ne file avec l'électro-quartz.
génial! Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! Les hommes de Comstock vont la voir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Plus vite que tu ne pourrais croire. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Celle-là! Et voilà! C'est tout ce que j'ai! Écorcher vif. C'est vide. Prenez-le bien.
filé. Tu peux sortir. Je t'en prie! Ce sera mienne, a dit le prophète. C'est fini. Tu peux sortir. Depuis le temps que j'attends. Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais, là, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais ? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi ? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement ? Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais ? Et t'as appris quoi, au juste ? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. La nacelle arrive ! Oh.
Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes? Comstock. Père, Ropet, qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. J'aurais besoin d'aide, là. Laissez-moi inspecter. C'est prêt. Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée, c'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes. Pour mettre la main sur toi.
Donc il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ha ha. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Vous voulez garder ça? Merci. Parfait. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé! Qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type, il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Elisabeth, ça va aller. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Oh!